Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Que votre foi grandit en notre bien-aimé Jésus, seul sauveur, seul rédempteur. Alors, la question de notre participation à l'Église catholique d'une manière ou d'une autre. L'illusion de grandir dans la foi sans l'Église peut nous menacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, la Sainte Église catholique, deux fois millénaire, seule Église voulue par Jésus, par notre bien-aimé Jésus. Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Et n'oublions pas aussi cette parole. Quand Jésus nous dit aussi que tout ce que tu délieras sur la terre sera délié sur la terre, tout ce que tu délieras au ciel sera délié au ciel. Désolé. Autre parole bien connue de notre bien-aimé Jésus. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Donc déjà, rien qu'avec ces trois paroles, nous avons là le cap puissant que nous indique Jésus. Le cap est puissant. Pourquoi? Pourquoi alors s'imaginer que nous pouvons raisonnablement faire sans l'Église? Eh bien, il y a un truc qui se passe, c'est ce qui s'appelle un peu l'illusion. Voilà, l'illusion de se passer de l'Église, se passer des sacrements, se passer la Sainte Messe, se passer de la Sainte Messe, se passer d'aller saluer Jésus au tabernacle, etc., etc. Se passer des prêtres, bien entendu. Il y a là une illusion qui peut s'installer en nous. Et là, je m'adresse en particulier à ceux qui pourraient s'interroger sur le sujet. On va dire honnêtement, car quand nous allons à l'Église, il peut y avoir énormément de choses qui nous éblouissent, qui nous rendent joyeux. Merci Jésus, c'est par ta grâce. Mais il y a aussi des choses qui peuvent nous irriter, nous agacer, et être objectivement et réellement désagréable. Pour autant, est-ce que nous quittons notre famille, notre couple, nos enfants, à chaque tension, à chaque contrariété, est-ce que nous quittons notre famille, notre maison, notre appartement, notre femme, notre compagne? Non. Eh bien, je fais cette comparaison avec l'Église. La Sainte Église catholique, c'est pareil. Je vous le rappelle, Église veut dire rassemblement, catholique veut dire universel, rassemblement universel.
On dit aussi de l'Église qu'elle est notre mère. Donc, pour tout ce qui est agréable, que nous ressentons comme agréable en venant à l'Église, bon, il y a juste à dire merci Jésus, tout va bien. Et puis, pour ce qui est des choses désagréables qui existent, dont je ne ferai pas la liste, on va dire simplement si on peut être un petit peu précis, genre, ouais, le prêtre, ce qu'il a dit là pendant l'homélie, je ne suis pas d'accord. Ouais, d'accord. Et puis, il y a un tel, il a parlé, il a lu. J'ai rien compris à sa lecture, et puis il l'a pas bien lu, voilà, d'accord. Je suis rentré dans l'église, on m'a même pas dit bonjour, je me sens pas accueilli, d'accord, etc., etc. La liste, elle peut être très longue. Donc, on peut répondre à des choses simples comme ça. Je veux dire que quand le prêtre fait une homélie, c'est nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Le prêtre exprime un point de vue sur la Sainte Écriture, sur la parole de Jésus. Vous n'avez aucune obligation à être d'accord avec lui. Hein. Vous pouvez être totalement en désaccord avec lui, ce n'est pas un problème. Vous pouvez même lui en parler à la fin de la messe. S'il a un peu de temps, vous lui dites simplement, gentiment, ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Si on s'aime que quand on est d'accord, c'est pas un amour qui a beaucoup de qui doit être c'est pas un amour qui doit être très solide. Donc ne pas être d'accord, voilà. Après voilà, le chant ça m'a pas plu, etc. Bon, rien ne vous empêche de chanter. Il y a des églises souvent vides, vous pouvez aller chanter dans une église si ça vous chante. Voilà, vous n'êtes pas bien accueilli à un endroit, bon, certes, ça, c'est des choses qui arrivent, mais bon, il y a plein de paroisses, plein d'endroits où des gens se rassemblent dans la Sainte Église, eh bien, vous trouverez peut-être un autre endroit qui serait mieux accueilli. Bon, après, il faut faire attention aussi à des petites choses toutes simples. Quand vous venez pour la première fois ou vous venez dans une église et que vous êtes un petit peu en retrait des gens habituels, si vous vous mettez très loin d'eux, les gens peuvent comprendre que vous êtes en méditation, en prière, que vous êtes en train de vous recueillir et qu'ils ne vous dérangent pas, ils ne vous sautent pas dessus pour vous dire bonjour parce qu'ils pense très simplement et très gentiment que vous êtes en prière. Voilà. Vous voyez le curé qui passe, ah, il ne m'a même pas dit bonjour. Ben oui, lui aussi, il peut croire que vous êtes en ce qu'on appelle en oraison, en prière. Vous êtes à l'intérieur de vous, en communication avec Jésus, puisque Jésus est là, présent dans chaque église, donc le prêtre ne va pas vous déranger. Bon, il y a aussi des prêtres qui sont un peu raidos, hein, qui ne sont pas très chaleureux, mais ils ont d'autres qualités. Comme nous, hein, on a plein de défauts, nous on n'a que des qualités, c'est bien connu. À commencer par moi, personnellement je n'ai que des qualités, c'est extraordinaire. Par exemple, je tousse jamais, voilà. Voilà, c'est de l'humour. Hein. Voilà, donc... comme a dit Jésus, on sera jugé à la mesure dont on juge les autres. Donc il faut faire très attention à tous ces faux semblants. Et encore une fois, si ça ne va pas à un endroit, les églises, il y en a partout. Les paroisses, il y en a partout. Hein, vous pouvez faire quelques kilomètres et vous trouver un autre endroit où peut-être ça va se passer comme ça vous plaît. Mais il faut quand même s'interroger et essayer aussi de notre côté d'être buvable, d'être aimable. Voilà. Donc, l'Église est vraiment plurielle. Et nous avons aussi à faire des efforts pour envers nos frères et nos sœurs. Pareil, avec lesquels nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout.
Nous sommes là pour Jésus. On vient à l'Église pour Jésus, qui est la tête de l'Église, de la Sainte Église catholique, avec bien sûr son Père, l'Esprit Saint, la très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, nous, notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints qui sont chers à notre cœur, les anges, les archanges, mais avant tout, nous venons pour Jésus. Seul Jésus nous a sauvés. Seul Jésus s'est offert pour nous, jusqu'à mourir pour nous, merci Jésus, et ressuscité le troisième jour. Donc, je vous mets en garde contre tout simplement l'illusion que nous pouvons grandir dans la foi sans l'Église. Voilà. C'est très compliqué. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Et je suis resté loin, 40 ans loin de l'Église, de la Sainte Église catholique, et je peux vous dire que ça ne se serait pas passé comme ça si j'avais effectivement été... si j'avais fait mon retour à l'Église, dans l'Église catholique bien plus tôt. Voilà. J'ai perdu énormément de temps, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai reçu ton pardon, Jésus, que je lui ai demandé en confession avec un prêtre, bien sûr, et j'ai demandé à Jésus pardon, voilà, pour tout ce temps gâché. Mais pas complètement gâché, enfin gâché pour moi, ça c'est comme ça. Mais ça me permet de dire ce qui me paraît juste, c'est que on perd notre temps loin de l'Église, on tourne sur son nombril, on s'égare, on suit des faux chemins, on se plante et replante. Et nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs dans l'Église pour avancer. On ne peut pas avancer tout seul. Regardez Jésus qui est Dieu, la première chose qu'il a faite, c'est s'entourer de 12 apôtres. C'est quand même un signe. Même Jésus qui est Dieu n'a besoin de rien. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, il a strictement besoin de rien, Jésus. Et pourtant, la première chose qu'il a fait, c'est de s'entourer des apôtres. Et puis alors après, des millions et des milliards d'amis. Merci Jésus, toi qui es Dieu, qui t'es fait homme, tu nous as montré toute la valeur de l'amitié, de la relation qui est très très importante. Hein. Regardez le nombre de gens qui meurent de solitude. Donc, il ne faut absolument pas, à mon humble avis, ce n'est pas un ordre, c'est un appel que je vous fais. Surtout, ne croyez pas que vous pouvez... surtout ne croyons pas que nous pouvons nous développer spirituellement sans nos frères et nos sœurs, sans l'Église, hein, sans aller à la messe, même si on en trouve plein de trucs qui vont pas. Hein, c'est très à la mode depuis pas mal d'années là, de toujours critiquer comment ça se passe, alors que Jésus s'offre. Il s'offre sur l'autel, dans chaque messe, il offre son corps et son sang. Donc vraiment, il faut en prendre la pleine mesure, c'est ça l'essentiel. Et après, bien sûr, nous devons, c'est pas un endroit, hop, je prends l'Eucharistie, je me barre. Non, il faut quand même, il faut être sérieux. Nous avons des belles relations, des belles rencontres que nous faisons dans l'Église et ne soyons pas des hypocrites. Si ça ne va pas, et ben on peut aussi le dire, essayer d'arranger les choses. Nous avons tous besoin de soutien. Nous sommes trop faibles, nous les hommes, nous avons besoin les uns des autres. Des gens qui prient pour vous. Il vous faut des gens qui prient pour vous. Moi, j'ai besoin, je ne serais pas là en train de faire des vidéos si mes frères et sœurs ne priaient pas pour moi. Merci. Merci les amis. Et puis merci à ceux, peut-être ceux qui m'apprécient pas trop, mais qui prient quand même. Moi je prie pas pour que pour les gens que j'aime. Hein. Je prie pour des gens que j'aime un peu moins. Je suis comme tout le monde, hein. Je prie parfois pour des ennemis, selon la sainte volonté de Jésus. Et voilà, c'est comme ça.
faut vraiment en prendre pleine conscience. Hein, faut pas se croire au-dessus du panier. Et même si on ne se croit pas au-dessus du panier, on peut croire que ça y est, on peut spirituellement, on peut avancer voilà, sans aller à l'église ou y aller strict minimum. Non, il y a des solennités. Là, par exemple, on va fêter Saint-Joseph la semaine prochaine. Eh bien, c'est des moments très importants. Hein, c'est très important. Au Moyen Âge, il y avait tellement de fêtes, les gens ils travaillaient un jour sur deux, tellement il y avait des fêtes religieuses et qui sont des moments où les gens se rencontrent aussi. Voilà. Et nous sommes tournés vers toi, Jésus, pendant tous ces moments. Et ce qui nous facilite nos compréhensions et d'abandonner nos méchancetés, nos velléités, nos tensions que nous offrons à Jésus pour que les choses s'améliorent. Et je le répète et le re-répète, si ça se passe pas bien à un endroit, c'est pas dramatique, ça arrive. Faut pas être non plus, vous savez, comme à l'école maternelle, bon allez, réconciliez-vous. Bon, ben, si on y arrive, alléluia, c'est bien, mais si ça reste tendu, ou s'il y a des fonctionnements, vous pouvez pas non plus arriver à un endroit et tout révolutionner. S'il y a des gens, ils aiment bien fonctionner d'une façon, qui je suis, moi, pour venir, voilà, refuser ça, dire que c'est comme ça, que c'est autrement que ça doit se passer, etc. Il faut aussi savoir être humble, faire des suggestions, des propositions. Si les personnes qui sont là s'en foutent et que vous voulez faire quelque chose de différent, eh bien, il y a d'autres paroisses. Voilà, il faut être tranquille. Il faut faire honnêtement, essayer de faire changer les choses, apporter quelque chose de différent, et ou alors aller ailleurs. Et Jésus, c'est ce qu'il fait, hein, c'est lui le bon berger. Il vous trouvera un endroit où vous aurez des sourires, des échanges avec des frères et sœurs, sans pour autant se taper sur le ventre, mais où ça va être, voilà, ça va être chaleureux, et où on va sentir qu'on est vraiment là pour Jésus. Voilà, donc ne cultivons pas trop cette illusion qu'on peut faire sans loin de l'Église. Voilà, hein, les sacrements, ce qu'on appelle les sacrements de l'Église, eh bien c'est se confesser avec un prêtre. Bien sûr, c'est l'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus. Merci Jésus pour ton corps et ton sang. Sois béni dans tes anges et dans tes saints. Il y a le sacrement des malades, vous avez le sacrement du mariage, vous avez bien sûr les baptêmes, les communions, les confirmations. Voilà, tous ces moments, les moments de bénédiction avec l'eau bénite, c'est très important. Hein, se faire asperger d'eau bénite, c'est pas mal, hein, parce que vu les ennemis qui se baladent dans notre monde là, se faire asperger à l'eau bénite de temps en temps, c'est vraiment waouh, ça fait du bien. Hein. Voilà, alors quand on le dit comme ça, il y en a qui disent voilà, qui disent oui, mais moi au niveau des énergies, patati, bah justement, quand on reçoit de l'eau qui a été bénie par Jésus lui-même. Si vous voulez parler énergie, je parle énergie, il n'y a pas de souci, hein. Je vais vous expliquer ce que ça fait dans les différents, dans l'énergie que nous avons, ce que ça fait l'eau bénite. Hein, on peut en parler comme ça aussi, c'est pas un souci, hein. Donc, je connais la musique. Voilà. Donc, il faut bien se dire que nous sommes là dans la Sainte Église avec le vrai Dieu. Et Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, le bon Dieu, et que si l'Église a un aspect ancien, des pratiques anciennes, et bien tant mieux, parce que ça veut dire que ce sont des racines. On n'est pas dans le New Age où on est dans le cosmos, on est bien enraciné dans des choses concrètes et puissantes, et surtout pas dans l'illusion. Voilà, quand on reste isolé et qu'on est loin de l'Église, l'illusion commence, elle peut commencer à nous raconter plein d'histoires. Que nous, on est spirituel, on est
On est au-dessus de, voilà, au-dessus de la mêlée et tout ça. Même si on ne le prend pas comme ça, là je suis un peu caricatural, mais notre orgueil, il s'habille des fois même plus finement, mais derrière c'est toujours la même idée. Voilà, je ne vais pas avec les gens, avec monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et chez monsieur et madame tout le monde, il y a des gens qui nous agacent. Eh bien, il faut aussi apprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, à lâcher nos agacements. Et regarder Jésus et prier pour ceux qui nous agacent, par exemple. Vous voyez, ça va, après, ça va mieux. Et voilà, ce sont ces efforts que nous avons à faire et qui ne font que nous faire progresser spirituellement. Parce que plus nous développons notre patience, notre amour du prochain comme nous l'a commandé Jésus, pas demandé Jésus, plus nous développons notre patience, eh bien, plus nous nous rapprochons de Jésus. Donc c'est comme c'est le but. Voilà, le but, hein, c'est le final, c'est à notre mort de sauter dans les bras de Jésus. Hein, donc, plus nous nous rapprochons de Jésus, mieux c'est. Et bien sûr, nos frères et nos sœurs sont autant de situations où qui nous apprennent à nous détendre et à accepter des différences, mais sans non plus être des espèces de bisounours hypocrites qui disent jamais quand ça va pas. On peut se dire quand ça va pas, mais avec douceur. Si on n'arrive pas à le dire avec douceur, eh bien on travaille ça. C'est ça le travail spirituel, c'est ça la conversion. Sur si on agresse les gens en disant, ouais, moi je suis arrivé là, on ne m'a pas accueilli, etc. Voilà. On peut dire la même chose autrement. Dire, voilà, est-ce que l'on ne pourrait pas mettre en place quelque chose pour accueillir ceux qui se mettent au fond de l'église, aller les saluer, leur dire qu'ils peuvent se rapprocher avant que la messe ne commence, instaurer un dialogue, leur demander s'ils ont des attentes particulières. Voilà, vous voyez, on fait quelque chose, on agit. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un groupe d'adoration, vous savez, où on regarde Jésus dans le Saint-Sacrement et on fait des rotations par deux pendant toute une journée, je ne sais pas moi, de 8h à 20h, enfin en ce moment ce serait plutôt de 8h à 17h30, sans commentaire, et pour venir dans l'église adorer Jésus au Saint-Sacrement. Donc, pourquoi on pourrait pas mettre en place une adoration? Voilà, ce moment, un moment, une fois par semaine, un jour par semaine, pour adorer Jésus. Et on y vient à deux, et à chaque binôme, deux personnes, une heure. Une heure chaque, on est à deux pendant une heure. Et on se remplace toutes les heures. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place, mais il y a plein d'idées, il y en a plein, plein, plein. Mais l'idée centrale sur laquelle j'insiste, c'est qu'on ne peut pas raisonnablement avancer voilà, sans l'Église, sans l'Église. À moins, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, Jésus fait ce qu'il veut, c'est pas moi qui définis les règles, mais je vous dis, en général, on peut vraiment être dans l'illusion. Surtout si on ne va pas à la messe. Voilà. On a toujours à redire sur ce qui se passe à la messe. La messe parfaite, elle n'existe pas. C'est la messe est parfaite en elle-même, puisque Jésus, qui est Dieu, s'offre. Voilà. C'est déjà la perfection. Après, ce que les humains font, il y a toujours quelque chose à redire. Hein. C'est évident. Il y a des comportements qui nous agacent. Et ben dans ces cas-là, eh bien on offre ça à Jésus, on offre notre peine de voir des comportements qui agacent. Voilà. Moi, je prends un exemple. Quand je vois des personnes qui vont faire la lecture et qui montent dans le sein de Dieu, là où il y a l'autel, et qui ne s'inclinent pas, ou qui ne faut mettre pas un genou à terre avant de monter dans le sein de Dieu, des fois il y a des gens qui ne peuvent pas s'agenouiller, donc qui ne s'inclinent pas devant l'autel. Voilà, moi ça me plaît pas du tout. Voilà. Alors je prie. Voilà, je demande pardon à Jésus. Car quand on va faire une lecture, on va pas voilà, on va pas au comptoir du café du coin, quoi. On va là où l'agneau de Dieu s'offre à nous.
Donc si vous regardez ça, s'il vous plaît, inclinez-vous comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de... J'oblige personne à mettre un genou à terre. Enfin, moi, j'oblige à rien du tout. Mais au moins qu'il y ait une inclinaison. Incline. Voilà. Jésus est Dieu, les amis. Voilà. Alors des fois, il y a des gens qui ne pensent pas parce qu'ils sont dans l'émotion d'aller faire la lecture, mais essayez d'y penser. Bon, voilà. C'est l'idée, j'étais un peu long ce matin, je suis désolé, mais je pense que c'est le sujet est de taille parce qu'on a déjà toujours une bonne raison pour ne pas aller à la messe. Ça, on est champion de toujours se trouver des raisons. D'ailleurs, peut-être que je vais faire un catalogue, un de ces quatre. Ce sera humoristique, bien sûr, sarcastique. Un catalogue des raisons qu'on peut se trouver pour pas aller à la Sainte Messe. Et il risque d'être long parce qu'on est très fort. Voilà. Donc, soyons dans ta paix, Jésus, dans ta joie, et voilà. Et allons à la Sainte Messe. Allons à l'église. Jésus est là. Il est dans la Sainte Église, bien sûr qu'il est dans nos cœurs. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Parce que nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous voulons absolument vous aider à percevoir Jésus dans votre cœur, à rencontrer Jésus, qui est cette rencontre. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est pour le rencontrer. Chacun peut le rencontrer, comme le souhaite Jésus, bien sûr. C'est pas nous qui commandons. Nous vous aidons avec notre sainte patronne à qui nous demandons de nous apprendre à aimer Jésus. Voilà. Mais certainement pas sans son Église. Voilà. Sans son Église catholique, sainte, catholique et apostolique. Comme le dit le Credo. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ça, c'est le. La fin du Credo de Nicée, qui est une merveille que je vous invite à dire tous les jours en entier. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, n'hésitons pas à lui demander de l'aide, hein, c'est lui le saint gardien de l'Église catholique, avec Saint Michel Archange. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison. Courage les amis. Voyez, quand on fait des efforts, après, nous avons la joie de les avoir faits, mais ne croyons pas que nous pouvons faire des efforts sans Jésus. C'est Jésus qui peut tout et qui porte tout. Donc toute situation difficile, conflictuelle, compliquée, il faut lui offrir. Ne gardez pas ça pour vous. Prions, les amis. Prions et vous verrez. Ça sera vraiment des bons moments en Église. Nous vivons des bons moments et nous touchons l'allégresse que Jésus nous offre. L'allégresse dans sa sainte Église. Merci Jésus pour cette belle allégresse qui est uniquement dans ta sainte Église catholique, apostolique. Amen. Qui est une sainte catholique et apostolique. Amen. À bientôt les amis.